納豆を食べる人は人間ではありません。Les gens qui mangent le natto ne sont pas humains. 2000点評価。2000点以上か。あ、いり、あ。あ、そうさ。2000、2000、2000、2000、2000、ni 2 5000 ni 5 t mais ijo ah non c'est pas comme ça ijo ça veut dire plus que 2000 mais comme ça Nissan te ijoka, plus de 2000 mains. T, c'est mains. Nissan te ijoka, plus de 2000 mains. Ça veut dire plus de 2000 personnes qui ont réagi et ils ont mis des dislikes. Nissan te ijoka, plus de 2000. Oui, bien sûr. Il dit ici maintenant, c'est une personne qui est un peu folle ou qui est un peu saoule qui est rentrée dans le métro. Japon. Allez, mets-le. Oui. Dans l'Europe, en France, en Occident, d'habitude, quand on veut dire, quand on veut attirer l'attention de quelqu'un, on dit hey, toi là, ou s'il te plaît, hey, on utilise plutôt hey, ou ho, mon grand, hey, brave homme. C'est ainsi qu'on le dit. En japonais, on dit oi, 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 ksugaki. Hey, ce petit morveux. Hey, oi. Au Japon, on dit oi. En Occident, on dit hey. Il a dit hey. Miro yo, kore miro. Miru, regardez. Miro, c'est comme à la forme impérative. C'est comme s'il dit hey, regarde ça, regarde ça. Ça va être trop génial, regarde ça. Japon. Allez, mets-le. Are miro yo, regarde là-bas. Are, c'est là-bas. Are là-bas. Kore, ici. Sore, juste là. Are là-bas. Are miro yo. Oh, regarde là-bas, regarde là. Miro yo, regarde là. Oh, oh, yabé. Oh, yabe. C'est, comme j'ai dit, un truc typiquement de jeune. Yabé. Quand on dit yabé, c'est. Qu'est-ce que. Pour dire qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est qui ce mec? Qu'est-ce qui se passe là? On dit yabé. Dans différents contextes, ça peut vouloir dire différentes choses, mais ça veut dire, mais qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que c'est que ce truc? On dit, hé, yabé, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, lui, il traduit par, oh, c'est qui ce mec? Ça veut dire ça aussi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, yabai. C'est yabai. Vous allez beaucoup de temps en temps yabai. Surtout chez les celles qu'on appelle les bimbos. Qu'on appelle. Comment on dit ça? Comme il y a une catégorie de personnes, les filles qui aiment trop se maquiller, qui aiment trop aller à la plage, qui leur façon de parler, leur dialecte. Elles vont dire, hey, yabai! Kore, kore miro, kore miro. Hey, yabai, ne, on est ça, yabai. Des trucs comme ça. Il y a leur équivalent dans tous les pays, bien sûr. Mais au Japon, ils ont un dialecte où ils utilisent beaucoup le mot yabai. Il constitue plein de mots à lui tout seul. Yabai, ça peut vouloir dire plein de choses. Ici, ça veut dire, oh, regarde ce truc, c'est un truc de fou qui se passe là. Regarde ce mec. え、何あいつ。変はあいつ、あいつ。あ、変なやつ。ケスクシラコンの。いや、あいつ、プディランガ。あいつ、プディランガ。
On peut le dire aussi, hein. Comme ça. Un Aïtsu. Un mec bizarre. Aïtsu, c'est un mec. Un mec, un gars, un mec. Aïtsu. On peut aussi dire Yatsu. Au lieu de dire Aïtsu, on dit Yatsu. Comme ça. Un Aïtsu. Yatsu, c'est un gars, un mec. Aïtsu, c'est un gars, un mec. Yatsu aussi, c'est un gars, un mec. Un Aïtsu. C'est un mec bizarre, ce mec. Un Aïtsu. Qu'est-ce que tu as? Kichigai. Un Aïtsu. Un, ça veut dire bizarre. Étrange. Étrange, bizarre. Un Aïtsu. Un gars étrange. Kichigai. Qui? Chigai. Qui c'est? La tête. Chigai. Différent. Kichigai. Il a une tête pour dire il n'est pas comme nous. Il est fou. Qui? L'esprit. Chigao. Différent. Son esprit est différent du nôtre. Lui, il est fou. Ce mec est fou. Kichigai, c'est un fou. C'est un fou. Kichigai, c'est un fou. Yabe, Yabe, henna ito iru, henna ito iru, beke, hito iru, kichigai, comme j'ai dit, kichigai c'est un fou, pour dire un fou en japonais on dit kichigai, kichigai un fou, c'est un fou. Kichigai, gars. C'est un fou ce mec. Henna Itoharu.